Raccoon City, cette ville industrielle au cœur de l'Amérique, est celle que Léon S. Kennedy. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Je sais Vilain. que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Et bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux. Son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. C'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Oh merde! C'est bizarre. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Let's Play sur Resident Evil 2 Remake. Donc c'est parti, donc on commence avec Léon, c'était le premier choix qu'on avait à faire. Et on va tout de suite commencer. Alors, voilà, on nous indique les bases. Donc on va aller voir ce qui se passe. J'espère qu'au niveau du son on m'entendra bien, que le jeu sera correctement réglé. Normalement c'est réglé. J'espère. Allez. Oh, il y a quelqu'un? Inspecter le magasin. Donc notre fameuse lampe torche, on est déjà dans l'ambiance. J'espère que vous allez bien, nickel. Alors un qui se fait enchaîner derrière là, on l'entend. Ça va? Bougez pas, je vais revenir vous aider. Ok, donc on a un blessé. Lui je pense que c'est terminé pour lui. Hein. Hop, on pousse. Arrête de bouger! Est-ce que tout va bien? Reculez monsieur, je prends la queue. Ah!
bouge pas ou je tire. Allez, c'est parti, notre premier zombie. Le shoot n'est pas réellement présent. Ok, il est mort. Alors, explosons la réserve. Une clé. Il y a de jolis posters. S'échapper du magasin. Une clé très usée. Ouais. C'est dommage que je... Non. C'est impossible. Allez, tais-toi donc, parce qu'à mon avis, il n'y a pas moyen de le tuer. Par contre, la sensibilité est très plus fluide qu'avant, par rapport à la démo. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pensais que on pouvait se partir, non ? Ah, d'accord, faut trouver un autre moyen de sortir. Alors... Par là ? Non, je suis déjà coincé. Allô ? Par ici, pas par là. Merde. Ah, tout par là. Oui. Allez, on ouvre. Hop. Waouh. Je l'ai pas vu venir. Oh, ok, on va vite se barrer de là parce que... À terre. Tirez pas. Baisse-toi. Claire Redfield. Ça va ? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Suis-moi ! Bon ! Allez, on rapproche-toi. Qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics ? Ouais, Léon Kennedy. Et toi ? Claire. Claire Redfield. T'es du coin ? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. T'es mieux à Raccoon City. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais...
Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Oh la vache! Ah! Léo, il faut que tu recules! Allez, vite! Ça va faire mal. Je peux pas! Accroche-toi! Allez, vite, parce que ça va faire boum boum là. Oh non, t'aurais censé voler à 40 mètres, mais bon. Oh non. Ah bah voilà. Claire! Claire, ça va? Oui! Moi, ça va! Et de ton côté? Un peu la mouise. Restez ici, c'est trop dangereux. Pars tout seul. On se retrouve au commissariat. Allez. Entendu. La fin de le commissariat. Allez, c'est hop. C'est l'apocalypse. On va aller se couvrir en partant le plus rapidement. Alors je sais pas du tout si c'est là. Apparemment si. On va suivre les lumières. Après c'est un peu trien. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Pourquoi ils ont fait un jeu si mal optimisé au niveau de la pesque? Ça fait tellement de bruit. Ça va attendre le sifflement. Le voilà. Le commissariat. Le voilà, ouais. Malgré le... Alors, par la droite, à gauche. Normalement, on a quand même tiré nos balles. Voilà. Hop. Petite esquive. Et on rentre. Et on ferme. Allez. En plus, on n'a plus de balles. Donc, j'aurais pas pu faire grand chose. Explorer le commissariat. Et ben voilà, nous voilà au début de la démo que j'avais faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Donc au début de la démo, les potes, ça fait plaisir. Il y a forcément quelqu'un ici. C'est pas bon ça. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans. Faut que j'aille l'aider. Mais bien sûr, on va aller l'aider. On va aller l'aider, tout simplement. Alors, si je réfléchis bien... Non, c'est pas des balles qu'il y a là-bas. On devait partir par là. Mais il me semble qu'en haut, qu'il y a des munitions, mais c'est pas grave. On va aller... directement aller chercher. Je vous connais un peu. Merci la démo. Ça nous permet de prendre un bon départ.
Allez, c'est parti. Alors là, il nous faut un fusil. Logique. Ça va aller. Oui, ça va aller. T'inquiète. T'inquiète pas. On va lui mettre la lumière. Voilà. Des babales. On va pouvoir recharger. Wow, comme on entend bien le bois craquer. J'ai peut-être pas remarqué que le jeu était... Ils ont un peu amélioré le son. Allez, on pousse l'armoire. J'espère que vous allez bien. Donc là, je suis dans l'ambiance, hein. Je suis dans le noir total. J'ai juste l'écran de la télé et le téléphone pour le temps d'enregistrement. Mais sinon, le reste, ça va bien. Alors, on va aller là. Ils auraient pu rajouter un zombie dans les chiottes, imaginez, entre la démo, ils auraient mis ça en plus. Donc on a le même système d'inventaire que dans Resident Evil 7. Malgré que le seul Resident Evil, bah pour l'instant, c'est le 1 Remasters, qui est très très difficile, je trouve. Ouvrez-moi ! Vite ! Ouvrez-moi ! On arrive. Ouvrez cette putain de porte ! Je vais vous aider ! Hey. Calme-toi ! Donnez votre main. Je vous tiens. Votre main, allez. Tenez-le. J'ai l'impression qu'un peu, alors au niveau visuel des intestins, etc., que ça t'est légèrement remodifié. Ah, c'est pas pareil qu'au début. Alors, on a sur un bouclier avec une femme, j'ai l'impression. Sur une statue avec un vase au niveau du bassin. Et sur le cheval, donc c'est ok. Ok, ok. Donc là, pour le débloquer, c'est... Ouais, d'accord, on va se rendre sur les statues pour regarder directement de là-bas. Voilà, lui, attends qu'il rentre. Voilà. Ça, t'es mort. Allez, on se barre parce qu'il va y avoir du monde. Là, faut courir. Merde, oh mince, c'est l'autre côté. Ils sont partout. Tais-toi. Elles sont si beaucoup trop hautes. Ok, on les a couchés. Allez, on s'en va être là. C'est totalement la galère. C'est fermé. Je vais voir si c'est quelque chose. C'est pas grave. Allez hop, on s'enfuit. Vite. Sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Branagh. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hé. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera toute crue si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non,
Non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris ? Compris. Couteau de combat. Donc sortir le couteau, attaquer, etc. Ça, on connaît. Donc, et là, plus R2. Voilà, ok. Alors, on a le bouclier ici. Bon, malheureusement... Attends. Comment on fait? Donc l'inventaire, c'est comme dans le 1, d'accord. Ok, attention, danger. Utiliser la carte. Et le carnet d'un officier. Pour le lion, donc c'est l'air d'être un lion. Donc lion, flèche, oiseau. Lion. Flèche et un oiseau. Médaille lion. C'est récupéré. Lion et pas gnan, parce que c'est autre chose, gnan. Alors, il me semble que j'avais vu des balles au fond dernièrement, qu'on allait pouvoir récupérer directement, parce que ça il me semble que c'est fermé. Voilà, la clé de station service d'ailleurs, on pourra l'enlever, parce qu'elle ne servira plus à rien. Et là, on a encore des balles. Voilà. Histoire de récupérer quelques balles et de bien s'en sortir. Malgré ce grabuge. Alors, on va aller mettre ça dans la caisse. Et après, on partira explorer comme c'était dit. Alors, par contre, la sensibilité, elle est un peu relou. Ah oui, bah excusez-moi, déposer. Un pistolet équipé d'un arrêtoir de classe plus petit permettant de gagner plus facilement. Voilà. Donc ça c'est... alors paranoïsement, j'ai pas les balles. Est-ce qu'il y a moyen de... Non. Donc j'ai un pistolet. Alors ça... déposer parce que n'en a strictement rien à faire. Et j'ai un médaillon que pour l'instant je vais déposer parce que j'en vois pas d'utilité. Alors ça, déplacer, c'est carré, excusez-moi. Et on va les sauvegarder directement. Sauvegarde du contenu, voilà, c'est beaucoup plus rapide que là. On va aller ressortir le carnet, je suis désolé. Donc il faut avoir les trois pour aller à la, donc, à la statue du dieu. Il faudra poser. Donc je sais pas si je les garde sur moi ou non. Il y en a un sur une statue et donc et l'autre sur un cheval. Donc la première elle est là. Ah oui bah d'accord, la statue du coup elle est là. Ok, bah, je peux aller poser directement ici. J'avais pas remarqué la statue. Par contre la sensibilité... Ah, j'ai plus de mal à m'habituer à cette sensibilité par rapport à l'autre. Je sais pas pourquoi, parce que même au niveau de la visée, c'est super rapide, ce qui est un peu contraignant par rapport à avant. Mais il y en a déjà une. Donc Elliot avait raison,
On dirait. Et le passage est encore fermé. Ouais, le passage est encore fermé. Alors, ce que j'allais faire rapidement, c'est option, je suis désolé. Commande. Configuration, visée. Je vais mettre là, configuration, non. Ah, du coup, on n'aurait peut-être pas JTS. Vous voyez, même au niveau du son, je suis à fond dans le jeu. Donc malheureusement, pas moins de régler. Donc c'est super sensible. C'est super sensible. Bon, c'est pas grave. Je réglerai ça prochainement. C'est pas comme ça que j'imaginais mes premiers joueurs. On a des balles. Donc les deux nouveaux pistolets, bah, c'était un code que j'avais reçu gratuitement dans le boîtier du jeu. Merci l'espace culturel. Hein. Alors, du coup, là, les hydrants. Bon, on va revoir cette scène. Donc lui, il est pas mort, je pense. Donc il y a le cadavre. Alors, si je dis pas de bêtises. Normalement, il est censé tomber. Enfin, je vais le faire tomber, voilà. Comme ça, c'est fait. Parce que du coup, je m'étais fait avoir. Alors, tac, tac, tac. Ok, ici c'est ouvert. Il n'y avait pas des planches de bois que j'avais ramassées. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, bah lui, on le connaît, hein. Vous savez que là... Lève-toi parce que la sensibilité c'est pas ça. Vas-y, avance. Merde! Wesh, 10 balles gros! Je suis désolé, mais faut... Attendez, parce que là il y a un truc qui va pas. La sensibilité elle est juste horrible. Elle est horrible. Avec les ralentissements du recul lorsqu'il est. Ah ouais, je vais mettre de moitié parce que les potes là. Waouh! Je suis désolé, alors certes c'est réaliste, mais c'est trop sensible. Alors, rapport d'événement. 25 septembre, le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violence. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens. Alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. L'un des réfugiés nous attaquait au milieu de la nuit, faisant un mort et 3 blessés parmi les officiers. La personne en question a été rapidement été maîtrisée, nous pensant qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. 26 septembre. Une foule a attaqué le commissariat, faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité, mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Nous serons peut-être pas en mesure de rétablir les communications et nous sommes donc coupés du reste du monde. Le 27 septembre, une nouvelle attaque a survenu du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées et il ne reste qu'une poignée de survivants. Tous sont dans le chaos. David Ford. Voilà, on va lire tranquillement. Donc le plan de la carte du commissariat. Le plan de la carte, c'est la même chose. Non, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Des munitions que je gâche trop malheureusement. Vous voyez, c'est comment c'est sensible par rapport à l'autre. Normalement ici c'est fermé. On va passer par là. Hop. Ok, donc il y a toujours lui. On s'en sert très bien. On s'en souvient très bien. Toujours des munitions.
Hop là. Alors. Vas-y, voilà. Hop, couché. Bon, lui, normalement, n'a rien à faire ici. Ah oui, ce fameux endroit où lequel j'ai dit j'étais paumé alors c'était tout simple. Alors 102, 103. Donc on va pouvoir la 106. Couvrons la 106. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pellicule, ok. Et la 109. Alors, 106, 109. Ce qui m'étonne un peu, c'est que j'ai pas trouvé la 60 de carte pour le fusil à pompe. Que j'avais vu lors de d'autres CSP d'autres personnes. Pour cette carte là, ok, apparemment juste avant, donc faut que j'ouvre la 208. La 208, hein, c'est ça, c'est bien ça. Par contre, ça va pas. C'est vraiment pas beau, hein. C'est moche. Voilà, ok. Notre terminal des casiers. Il semble que certaines touches manquent au terminal des casiers. Je te conseille aux responsables de trouver des touches de rechange et d'arranger ça rapidement. Peut-être que tu sais de qui je parle. Qui d'autre aurait pu déglinguer ça? Ouais, ouais, donc 208. Alors, 208, mais malheureusement, j'ai pas le 2. Bah oui, réfléchissons. 208. Et là, il nous faut une carte d'accès que je n'ai pas. Je vais retourner sur mes pas parce qu'il me semble que j'ai dû la louper ou je suis peut-être allé trop loin. Sors là. Quoi ? Toi, t'es pas mort ? Ça fait plaisir. Bonjour, je m'appelle. Ah bah, je suis mort. Ah bonjour. Non, arrêtons les bêtises. Alors, je n'ai récupéré pas la. J'ai pas récupéré la carte pour le pompe. C'est fermé. Comment je puisse remonter? De quoi? Hein? J'entends des bruits. Alors lui il était pas mort forcément. Ouais ça va, ça gaze. Bruh, bruh. Allez hop là. Trop marrant. Ça me fait marrer, ça me fait pas peur parce que je connais. Usage de la poudre noire, donc pour les pistolets. Il ne reste pas beaucoup de munitions, etc. On s'en doute hein, très fortement. Alors toi, tu n'as rien. Ici il faut un code. Je n'ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a moyen de l'ouvrir? Il n'y a pas le petit clic qui est mis normalement, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors lui, il est en position fœtale. J'avais éclaté ta tête, elle avait bien explosé. Pourquoi ta tête est réapparue, mon pote? Why not, hein? Première mission. Léon S. Kennedy, votre première affaire est très spéciale. Votre mission est d'ouvrir votre bureau. La clé de la réussite se trouve dans les initiales de nos prénoms.
Donc LSK. Ok. LSK, ok. Entrez les deux lettres dans l'ordre de nos bureaux. Il y a deux serrures, une de chaque côté de votre bureau. Ouvrez les deux. En gros, votre tâche est de vous souvenir du nom de vos collègues. Mais vous avez compris. Pas vrai? Bonne chance, Léon. Au fait, il se peut que l'officier Scott ne soit pas très coopératif, hein, lieutenant Bragnall. Ok. Bah oui, t'as de la chance de pas être là, le bleu. Ouais, bah tout le monde est mort, effectivement. Alors, LSK. Ouais, attendez. L S K. Et l'autre, du coup, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Fera mission. Donc LSK, ouais, bah oui, forcément. Lieutenant LB. Ouais, mais LB quoi? Tâche de pas être là, je vais poigner. Officier Scott. LBS? LB. LBF. LBA. On va essayer toutes les lettres. LBB, LBC. Attendez, déjà première énigme que j'ai du mal à comprendre. De nos prénoms. Mais qui est ton prénom? De nos prénoms. Ouais. Lieutenant Bragna. Ouais, mais enfin, là tu me poses une colle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Officier? Non. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas compris. Ouais. Bon, voilà. Ah, toi t'es debout. Vas-y. Ah, c'est par là. Ça va aller. Voilà. Couché. Bordel. Ouais, t'es censé quand même prendre tes balles à un moment. On avait un document ici. Rapport d'opération. On n'est plus que 4 ici. Pas d'armes, pas de munitions. Les affrontements nous ont épuisés mentalement et physiquement. On ne s'en sortira pas. L'officier Phillips a suggéré une fuite par les égouts. Donc l'officier Phillips. Ok, donc ça fait OP. Apparemment, il y a un tunnel secret qui date de l'époque où cet endroit était un musée. Elliot Sedward. Ok, j'avais rejeté son idée, mais maintenant elle ne me paraît plus si mauvaise. Elle nous prouve que ce tunnel existe ou que les égouts ne sont pas infestés de zombies. Mais je ne vais pas attendre la mort ici. C'est risqué, mais je vais essayer de trouver des infos sur ce tunnel. Ok. Donc on a un coffre. Attends, c'est un. Vas-y, il me reste deux balles parce que mon pote. J'ai pas intérêt à te louper. Vas-y, viens. Vas-y. Ah. Voilà. Bordel de merde. Et voilà. Et merci. Bon, j'ai plus de balles. Comment je fais? Comment je vais faire? Il me faut des balles, monsieur. J'ai planté mon coton, mais il est pas mort. Ah, mais là, il me faut les initiales. Oh là là, catastrophe. T'as une quoi là? Trois balles. Trois balles pour tâcher, mon pote, parce que tu me gonfles. Récupérer mon couteau, ce serait bien sympa. Voilà. Ah, merde! Oh non, mais il serait temps parce que. Waouh! On est en normal hein, pour la difficulté. Alors, les initiales, franchement, je ne sais pas. Donc, on va pas rester 350 ans ici. Là, ça sert à rien. Allez, on va continuer. Tiens, une planche. Une herbe. Allez, on prend. Des planches. Alors,
Vertu de plante, les plantes vertes. Ouais, etc. Ok, bon, ça, on comprend. Alors, de la poudre noire. Du coup, j'ai fait des munitions, et tant mieux, parce qu'il en fallait. Ah, bah, toujours plus, ça fait plaisir. Une machine à écrire. On allume. Les piquets contiennent des preuves, ne laissez pas traîner. Même plante rouge. Qu'on en va pouvoir combiner, bah oui. J'allais faire ça, t'inquiète pas. Que je m'y connais. Alors. C'est ça. Photo commémorative. Ok. Donc il tient un sceptre et un bouquin. Il était un bouquin dans cette statue. Ok. Ok, ok. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, on peut tout garder. Hein. On va mettre les balles ici. Alors, déplacer, se mettons de touche. Lol. Et voilà, on va sauvegarder. Oui, remplacer. Eh bien, vous savez quoi? J'ai envie d'aller plus loin. Je vais pas m'arrêter là. Ça fait deux jours que j'ai pas joué, que j'ai le jeu et que j'ai pas joué parce que je vais vous attendre. Et du coup, je vais vraiment pas tomber. Pierre, tu sais quoi? Voilà, au moins tu resteras là. Gentil. Ah non, mais dis pas qu'il a cassé ça. Non, il peut pas rentrer. J'ai bien dit normalement. Alors, les toilettes, qu'est-ce que nous avons là? C'est vrai qu'il y a un cadavre parmi ceux-là. Voilà, voilà. Ah, attendez. Ah non, mais attends. Oh, il faut un code ici. Que je n'ai pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Enfin, si vous savez, ce serait un peu triché, mais bon. Coffre portatif. Appuyez sur une touche pour allumer la lampe correspondante. Allumez toutes les lampes pour ouvrir le coffre. Et toujours être enfoncé dans les lampes. Une seule erreur éteindra les lampes et vous devrez recommencer toute la séquence. Ok. Coffre portatif. Voilà l'inventaire. Vous pouvez examiner un objet sous les angles, examiner, si tu peux connaître quelque chose d'utile à la progression. Ok. Ouais. Alors. Là. Ah, alors. Bas. Donc deuxième gauche, deuxième bas. Ok, deuxième gauche, deuxième bas. Ok, donc ça va être un peu galère. Non. Non. Ouais. Ok. Ok, on avance bien. On avance bien. Oh, non. Non, j'ai découvert. Et je savais même pas. Pièce de rechange. Mais je le savais même pas. Mais c'est truc de malade. Je savais rien, vraiment. Je ne mens pas là-dessus, je ne savais strictement rien de tout ça. C'était blague. C'est quoi? Viens. Oh la blague. Normalement ici on a encore une plante, voilà. Ah elle est pas mal celle-là. On va pouvoir mettre une touche au casier. Alors oui, normalement, pourquoi? Ah, d'accord. Attends, d'accord. Ah, je voulais passer en fissa, mais ça n'a pas marché. Claude, t'as quand même réussi à péter avec la barricade. Putain de merde. Si.
là. Non, me mange pas. Aïe aïe aïe. Ah oui, je sais. Mais la sorcière est tellement dégueulasse. Voilà, reste couché, mon pote. Reste couché. Alors, la clé des casiers, c'est là. Moi, je suis pas très bien. Alors, j'ai le choix entre le 2 et le 3. De toute façon, je pense que le 2 est plus important. Et entre le 2 et le 3. Forcément, 2, 102. Calme-toi la PS4 là. J'ai pas la 103, ça sert à rien. De la poudre noire. Et après, je n'ai plus de place et je suis dans la mouise. Est-ce que je peux le moins... Ah, on peut utiliser pour se soigner. Ouais, on va se soigner. C'est la moindre des choses. Et là, on a 208 des balles de pompe. Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité parce que... Je n'ai pas ouvert ça. Donc après, je suis coincé. On va aller voir la carte. Donc là, je suis coincé. Donc pour venir, bah, je ne peux pas... Et je peux pas revenir. Une chambre... sauvegarde, changer de niveau, ça c'est le hall qu'on était, le hall tout en haut par contre, donc ça c'est le premier étage, toujours au premier étage, ok, ça a des casiers donc il me reste ça, mais j'ai pas ça, et là du coup j'avais un à récupérer, du coup forcément la carte. Donc là il fallait un fusil mais on pouvait pas aller plus loin. Là la statue, donc il faut encore autre chose. Et là on a un bureau ouest avec deux cadenas et un coffre que je ne comprends pas d'ailleurs pour les significations des initiales pour le perso. Alors bon lui, donc si on peut rien à faire là, on va aller monter là-haut, on va récupérer deux balles. Alors, on a encore des balles ici. Ok. Une clé bleue. Ok, on a une clé bleue. Donc on va retourner là-bas. Ça fait plaisir. Ah mais, une clé bleue. Mais ouais, mais attends. Si on veut retourner là-bas. Ça c'est étage 2, donc c'est pas là où je suis, donc je vais redescendre de là logiquement. Peut-être que je vais pouvoir ouvrir cette porte. Donc, lui... Ah quoi, t'es pas mort toi. Un peu galère système de visée, je sais pas si c'est voulu. Pour l'instant, pas de flip, pas de flip, y a pas de flip, non, non, pas du tout. Et là, forcément, il va falloir trouver autre chose. Ici, alors, donc voilà là. Et là, forcément, faut les clés, mais du coup, je ne l'ai pas. La clé bleue, la fameuse clé bleue. Yes. Porte ouverte, fait plaisir, alors. Ah, cool, on retrouve notre... Te voilà. Approche. Regarde. C'est elle. Elle s'en est sortie. Oh, tu la connais? Ouais.
Elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble. Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Ok, donc on a un nouveau objectif. Mais alors, du coup, ça c'est cette porte qui nous mènerait là-bas. Regardons le plan, la carte qui est très importante. Là, il faut une clé verte. Logique. Là, c'est le bureau, ouais, donc il nous faut les codes. Donc là, on a le Marvin, mais ça me semblerait pas que ce soit lui. Hein. On peut zoomer. Oui, on peut faire un zoom. Pas réellement important. Donc là, il faut une fusible. Là, il y a une porte verrouillée. D'ailleurs, on va aller retourner sur nos pas. Il y a une bombe d'aérosol ici. Je n'avais pas forcément remarqué. Est-ce qu'on peut... Votre inventaire est plein. Oui, on va faire un petit tour dans l'inventaire. Un truc qui ne sert pas à grand chose. Des balles de pompe, hein, pour l'instant, inutile. Une clé qu'on va garder. J'ai un spray, donc ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, pour l'instant, on est bien. Donc on a notre spray. Pas vraiment besoin, c'est vraiment en cas d'urgence. On va retourner par ici. Ah! C'est vrai que c'était fermé directement. Mais non, on peut rouvrir. Non plus. Il nous a dit de passer par l'étage supérieur. Donc on va pas chercher. Midi à 14h. Alors là, on court. C'est vrai que courir dans ce jeu, c'est quelque chose. Donc vu qu'on a la clé, et ben, on peut débloquer la porte qui est normalement ici. Ah. Ok, elle nous l'ouvre automatiquement. Ok, on fouille, on fouille. On a une plante verte. On va laisser là pour l'instant. Il y a encore un coffre. Des coffres de partout, on n'a pas les combinaisons. Brochure. Donc ça, je vous laisse lire. On a l'orphelinat. Ok, le commissaire nous dit un peu tout. Donc. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Comment l'ambiance, elle change à chaque fois que tu rentres dans une pièce. C'est incroyable. Alors, on va prendre des flèches en bois, ça me semble logique. Alors là, il faut... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quelque chose qui grogne. Ah, la fameuse statue du roi. Article la pierre rouge, le rubis. Cette mystérieuse pièce rouge n'est que la dernière d'une longue série. Ok, donc c'est la dernière. Ok, mes chers lecteurs, faites preuve de prudence car la malle est tapie de l'ombre dans la beauté. Cette pierre a transformé de neuf son cieux. D'accord. Carte d'accès. Yes! On va récupérer notre pompe. Hop. Oui, j'aime bien faire des allers-retours, vous savez. Vaut mieux le faire directement parce qu'après on dit à quoi ça sert. Et voilà. On va aller chercher le pompe. Comme ça, on sera bien équipé. Alors, si on va chercher le pompe, faut qu'on repasse par là. Quoique c'est vraiment utile, non. Ça sert à rien de passer par là. Hop, on sort la petite loupiote. Et on va chercher les casiers qui se trouvent juste devant. La safety room. Et on va pouvoir utiliser notre carte d'accès. Et prendre le pompe. Alors, le pompe. Yeah, un pompe les potes, ça fait plaisir.
petite pompe, petite munition. Mais pour l'instant, on n'a pas la place. Donc, on va retourner là-bas. Hop. Alors, c'est bien, c'est que les portes sont quasiment centrées. J'ai pas besoin de faire comme dans le 1, aller chercher à droite à gauche. Et tant mieux. Et tant mieux. Alors, lui, toujours blessé. Et combien de temps va-t-il lui rester? Les murs invisibles. Pas forcément sympathique pour l'instant. Pas vraiment besoin de ça. La clé, j'en ai besoin. Après, les cartouches de fusil à pompe. Voilà, comme ça. On est tranquille, on a de la place, on est bon. On est bon. On va sauvegarder ici. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode sur Resident Evil 2 Remake. J'espère que ça vous aura plu, malgré qu'on a fait un peu la démo par ici, mais un peu plus en bonus. Sur ce, je vous retrouve à très bientôt. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros j'aime pour ce nouveau let's play avec Léon. Sur ce, je vous retrouve à très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Ciao.